Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau sur ce Call of Duty Vanguard, cette fois sur le mode zombie. On va partir en solo. Par contre, on va partir en solo, normalement on ne devrait pas y avoir de problème comme ça. Et on va se découvrir ce mode zombie, on va pas faire toute une partie entière je pense. C'est vraiment histoire de découvrir ce que ça donne. Alors, voilà, on va garder ça. Force spéciale, ici Kraft. Vous avez répondu à mon appel. Ces artefacts vous ont connecté à des entités de l'éther noir. Collaborer avec elle pour abattre les barrières de Von List. Elle déteste Cortifex, son partenaire, autant que nous, okay, les nazis. Bon. Cortifex a volé notre pouvoir. Récupérez-le. Battez-vous avec rage. J'en ai vraiment besoin. Je sais pas où je suis parti. Le sort de confinement de Cortifex absorbe lentement l'énergie de votre partenaire démoniaque. Ok. Trouvez l'obélisque. Nourrissez-le de pierres reliées pour qu'on récupère ce que Cortifex me vole. Oh putain, je l'avais pas vu arriver, lui. Ah mais il court en plus, c'est con là. Mon seul regret est de pas t'avoir explosé en mille morceaux. Levez-vous, revenant. Il vole un pouvoir qui m'appartient. Bah, dans tous les sens, je sais pas si c'était le bon plan de jouer tout seul. En fait. Tu veux que je te défonce ? Ah, parce que ça arrive dans mon dos, ça arrive de partout. En fait. Ta maman. On joue selon les règles australiennes. Bon, je pense que pour l'instant, c'est plutôt bien, pas vrai? C'est vraiment histoire de comprendre ce qu'on doit faire et comment ça marche. Donc on débloque des trucs. Et on avance, ok. Bon. Tu sais pourquoi je suis un crâneur ? Je te laisse réfléchir. Ok. Moi, je suis concentré comme jamais, alors que honnêtement, il n'y a pas besoin, mais bon. Pour l'instant, la difficulté n'est pas ouf et je pense que c'est normal. Là, réellement, je suis un petit peu trop concentré par rapport à ce qu'on me demande. Alors que la vidéo en multi que j'ai tournée est pour moi juste avant. Je l'étais beaucoup moins. Garde tes
distance. Alors que c'est là qu'il fallait se concentrer plutôt. Et on va se les faire comme ça. T'as commis une grave erreur. Dans le genre efficace. Allez, tue quelqu'un maintenant et achète-nous un petit pain. Ah, fantastique. Le pouvoir volé. Un délice. Ouais, et je vais où maintenant? Le vide que je ressentais laisse place à la satisfaction. Je vais me retrouver téléporté encore, c'est ça? Ouais. Protégez la puissance de vos partenaires démoniaques. On doit tous s'entraider. Merveilleux, mes amis. Ok, donc ça débloque des parties de map. Comme ça. Ok. On peut explorer un petit peu ou pas? J'en ai fait un, je me rappelle, sur PS4, je crois. C'était quoi, sur PS4, où il y avait des zombies, comme ça? C'était Black Ops. Black Ops 3, non? Je sais, vous voyez, j'étais tellement pas joueur de Call of que je sais même plus. Il me semble que c'était ça. Nous avons un message à envoyer, grâce à Bellecar. Puisqu'on ne peut pas contacter vos armées, il me semble que c'était ça, ouais. Bah, j'avais joué à celui-là. Vous voyez cet orbe flottant? Il est chargé de chercher un point faible dans la barrière de Cortifex. Il transporte un message pour mes alliés de l'éternoir. Veuillez. Merde, ils sont plus costauds ceux-là. Ah, je vais crever en fait. Parce que lui, visiblement, il peut pas me relever, hein. Donc je suis foutu. C'est ça tout le problème quand on est mortel. Ouais, bah oui. C'est un peu le principe d'être mortel, hein. Bon allez, on va sortir de là. Bah vous savez quoi, vu que la vidéo est pas très longue, on va se lancer dans la campagne. On va se mettre en seconde classe. Et on va faire le tout début de la campagne. Allez, c'était pas prévu, mais on va faire ça. Le dernier arrêt dans le voyage de l'horreur. Le SOE avait placé 5 combattants sous mon commandement pour une raison bien simple. Récupérer des documents sur le trait confidentiel Project Phoenix. Le dernier espoir du troisième Reich. Une coalition de commandos alliés et envoyés pour attaquer l'ennemi là où ça fait mal. C'était censé être notre seule et unique mission. Regardez-moi ça. Qui est prêt à le sauver? До свидания. Allons-y. Des jolis effets de flotte, hein, quand même. C'est pas mal. Le fail. Pardon, excusez-moi. Ah, mais...
Mais quel gogol. Regardez-moi ça. Quel monde, hein? Qui est prêt à le sauver? Das Vidania. Allons-y. On donne tout. Voilà, c'est mieux en sautant, quand même. Hein. Putain. Je me fais peur à chaque fois quand je saute dans ce genre de FPS. Je trouve que les sauts, c'est jamais très... J'ai enlevé une oreillette. Je trouve que les sauts, c'est jamais très très précis. C'est, je le rappelle, on est sur Xbox Series X. C'est pas dégueu, hein. Franchement, souvent Call of est critiqué pour ça. Mais là... Honnêtement, je trouve qu'il y a des beaux effets de pluie et tout. Voilà. J'ai pas été très discret, mais... Mais je pense que c'est fait exprès pour l'instant. Aussi, hein. C'est histoire de nous laisser le temps de découvrir un peu. Trouve un autre moyen d'entrer. Trouve un autre moyen d'entrer. Y a moyen d'escalader ou pas, non? On peut pas monter là. Faire attention de pas tomber du train aussi parce que... Donc on a une position de tir à l'aveugle. Ici là. Et comment on fait? Genre je marche sur le bas. Ah non, ici. J'y vais comme ça, là. Hop. Bon, lui, il me l'a mise en pleine tête, quand même. Hein. Enfin, des effets de lumière qui sont sympas. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que les Call of sont souvent critiqués par rapport à ça. Parce qu'on... Notre mission secrète n'est plus si secrète que ça. On compare beaucoup à Battlefield. Mais honnêtement... Alors Battlefield cette année déjà c'est niqué, hein. C'est que du multi. Putain. Donc déjà, voilà. Wow. Et puis ouais. Faut admettre que BF c'est plutôt joli, mais c'est surtout l'aspect destruction des décors qui est super impressionnant dans Battlefield.
Oh merde, je l'avais pas vu lui. C'est pas mon pote lui. Surtout ça qui est vachement impressionnant. Mais après, bon. Il faut arrêter de. Je pense de comparer parce que pour moi. On est vraiment sur deux jeux assez différents, malgré. Même si c'est deux FPS. On est sur des jeux qui ont des philosophies différentes. Bon chance. Je suis pas ultra mauvais, hein. T'as vu toi là-bas. Ah voilà. On peut niquer les chauffeurs des camions. Ça c'est plutôt pas mal. Ils sont plutôt gênants les mecs. En plus j'avais pas prévu de vous faire la campagne solo en vidéo mais bon. Oh putain. Bon, j'ai jeté ma grenade un peu au pif, hein. En espérant que ça passe. Il est mort, c'est bon. Bien failli se faire canarder là quand même. Hein. Ah, c'était mon collègue. Sors-toi du camion. Bon. Oh merde, on va essayer de pas crever. Ouais. Je t'ai touché là. Je l'ai chatouillé, on dirait. Puis je suis pas tout seul, hein. Il tire que sur moi. Ça, j'ai remarqué dans certains jeux. Même quand vous êtes pas tout seul. On tire uniquement sur vous. J'ai plus beaucoup de munitions. Je suis dans la merde.
Ça tire d'en face là. Et il me semble que je vois quelqu'un se déplacer. Non mais il y a des camions là. C'est que là... Ah putain, poussez-vous. J'ai plus beaucoup de munitions alors... Voilà, je voulais juste faire ça. Déjà pour commencer. Là-bas, c'est ma collègue. Ouh là là, comment j'ai eu peur. Putain. J'ai pas pris des ravitaillements dans cette caisse. Les gars, il est mort. Ah oui, ben il est mort debout. On va prendre ça, hein. Plein de munitions comme ça. C'est mes collègues, ça. Je suis vraiment naze. Hein. Là-bas, il y a sa tête là. Hop, je crois que je l'ai eu. Non. Bon, cette arme elle est pas mal, mais elle est un peu. Longue à recharger. On va les éclater, hein. J'arrive pas à voir où il est exactement. J'ai peur tout seul quand j'arrive au bord comme ça là. J'ai toujours peur de tomber. Attention.
pouvais éclater le camion. Ah bah non, fallait pas que j'éclate le camion. Il m'a tiré. Je sais pas pourquoi ça m'a attiré vers l'extérieur. Je vais pas trop faire le fou cette fois. Je vais avancer. C'est mon collègue, ça. Et les gars, juste, vous pouvez pas leur tirer dessus, vous? C'est à moi de le faire? Par où faut que je parte? On peut monter sur le train d'en face, ok, enfin sur le... Oh putain, j'ai plus de munitions. Merci les gars. Voilà, pourquoi ça s'est mis à ramer d'un coup là? J'ai pas très très bien compris là. Il y a eu un petit coup de rame, je sais pas si ça se verra sur la capture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà le travail. Maintenant qu'on s'est bien fait mitrailler, l'officier en chef aurait l'amabilité de nous dire ce qu'on fout là. La base navale est notre dernière étape. Une fois à l'intérieur, on sécurise l'objectif. Il veut qu'on le sécurise. En revanche, il ne peut pas nous dire ce que c'est. Kingsley maintient le mystère depuis le début. J'espère que c'est pas une énième chasse aux Jetpacks, si? Ouais, ça. C'est quoi le but de la mission? On sait pas vraiment. T'es en train de me dire que le putain de SOE, c'est rien? Vous savez quoi? Je vais aller mettre les freins. Tout ce qu'on a, c'est un nom. Phoenix. Donc en fait, on n'a aucune idée de contre quoi on se bat. Notre mission, c'est justement de trouver. Selon le SEU, les nazis sortent quelque chose d'important d'Allemagne. Peut-être des documents. Le Saint des Saints. Et nous, on est là pour s'en emparer. C'est si important, pourquoi ils n'ont pas envoyé l'armée? Ils l'ont fait. On est six. Eh hey mec, on n'est pas de la même armée. Putain, on n'est même pas du même continent. Silence! Pourquoi on a été choisi pour cette foutue mission suicide? Les gradés nous ont choisi tous les six pour une attaque rapide et un départ discret. Cette mission n'est pas pour l'armée. Une armée, c'est trop bruyant, trop lent. Richard a raison. Ils vont pas nous voir venir. Le temps qu'ils s'en aperçoivent, on sera déjà loin. Tout le monde a bien compris le plan. Je tire sur les nazis. Ils meurent. Voilà. Bon, bon, bon. Allons récupérer ces documents avant que les traîtres nous remarquent. Je vais vous couvrir depuis ce wagon. On va continuer un tout petit peu, mais on va pas aller beaucoup plus loin. J'ai pas eu le temps de bouger.
Ah ouais, donc le chien, en fait, il te touche, c'est terminé, quoi. J'entends un putain de chien encore. Non mais les chiens, il n'y avait pas un call of comme ça où il y avait un berger allemand ou je sais plus un malinois, Ghost non, c'était. Et j'avais lu quand le petit joueur au début, c'était un peu genre un peu cheaté ce truc là. Dès qu'il y en avait un, t'étais foutu. J'y ai pas joué après donc moi je peux pas dire mais. J'avais entendu ça, après, voilà, effectivement, je ne sais pas, j'ai pas pu le vérifier de moi-même. Mais effectivement, là, en tout cas, visiblement, les chiens, faut pas qu'ils te foncent dessus, sinon c'est foutu. Putain. C'est pas trop mal foutu, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il manque toujours un petit peu de... destruction, je trouve. Quand tu jettes une grenade, effectivement, ça manque un petit peu d'impact. Par contre, lui, il va m'en mettre une en pleine tête. De chien s'approcher et il arrive droit sur moi. C'est un truc là-haut là, parce qu'il va nous casser les couilles lui. Mais ça c'est un truc qu'on retrouve sur beaucoup de jeux je trouve, c'est cette tendance de l'IA à vouloir niquer que vous. J'ai presque plus de munitions, oh là là. Ah non mais là je suis dans la merde, j'ai plus de munitions de rien du tout. S'il vous plaît. Plus de munitions moi les gars. Non, oh là là. Bon bah on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin de toute façon. Ils étaient à deux chiens sur moi et j'ai pas de munitions. Donc j'étais foutu et je crois que je vais être dans la merde pour le reste là. Donc écoutez, on va s'arrêter là-dessus. C'était absolument pas prévu qu'on fasse du solo, mais c'est pas grave. Ça va faire une vidéo un peu plus longue, mais tant pis. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.